Lana n'avait que 7 ans. La petite fille aurait succombé à une dose d'insuline administrée par sa mère. Un drame qui suscite beaucoup d'émotions dans la commune. Tout le monde dit que bon, ben, si une maman, elle ne devrait pas faire ça, mais bon, on ne peut pas se mettre dans la tête des gens. On est désolé pour les personnes qui restent, et puis pour elles-mêmes, parce qu'elles vont avoir les conséquences. Tout s'est déroulé lundi matin, dans cette maison 10 sur Tille. Une femme de 38 ans, infirmière et mère de 2 enfants, aurait voulu mettre fin à ses jours. Dans un geste désespéré, elle administre de l'insuline à ses deux filles de 7 et 9 ans. Voyant sa mère et sa sœur inanimées, la plus grande donne l'alerte. Pour les amis de la famille, c'est l'incompréhension. On était très proches, très très proches. Mais après, le comportement a changé, je vous dis, fin août, début septembre. Ouais, voilà. Puis j'ai pas senti, si vous voulez, j'ai pas senti que ça n'allait pas. C'est pire qu'un drame, c'est une perte. C'est une perte colossale et qui fera certainement, ça va certainement résonner. Mais espérons que ça ne se renouvelle pas et que voilà, les choses seront faites en conséquence et que nous puissions tous nous recueillir sur cette petite. Les deux fillettes étaient scolarisées dans cette école primaire du village. Le maire a demandé la mise en place d'une cellule psychologique dès lundi. Il va falloir accompagner les enfants des écoles, l'équipe pédagogique, les enseignants, pour que derrière, des psychologues les encadrent et mettent des mots sur ce drame et que derrière, les enfants n'aient pas un nouveau traumatisme. Pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame, le parquet de Dijon a ouvert une enquête. Ce matin, nous avons contacté le procureur de la République de Dijon. Il n'a pas souhaité nous donner plus d'informations. Il considère qu'il est encore trop tôt pour parler de l'affaire.